Salut les potes, sale fouille, j'espère que vous allez bien pour cet épisode numéro 5 de Little Hope. On va continuer l'aventure horrifique. J'ai eu beaucoup peur dans les épisodes précédents. J'imagine qu'on va encore avoir peur dans ces épisodes-là. Je vais de ce pas accepter l'invitation de B-Boy, voilà qui est fait. Et on va pouvoir continuer notre aventure qui, j'espère, vous plaît. Hop, je mets prêt. Cet endroit est une sorte de musée. La petite fille. Du calme. Ok, je suis Andrew, et Bibouille, c'est John. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Oh. Là, il y a un truc. Que fait cette gamine seule dehors? C'est étrange. Elle pourrait avoir un lien avec Marie? Certainement. Mais comment et pourquoi, je n'en sais rien. Procédé sorcière, 7,99$, c'est pas cher. C'est quoi ça? Là, il y a un truc, là. Ok. C'est fermé, on réessaye encore une fois? Au cas où. Pas de subterfuge. Ok. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est que ça? Illisible. Cette acte est dressée par le conseil du 16e jour du mois de janvier de l'an 1692. Ok. Illisible, illisible. Edward Roosevelt. Il manque des mots. Ok. Je vous avoue que j'ai un peu peur. C'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mis en pause par B-Boy. Ok, je comprenais pas. Voilà. Alors, je regardais quoi, moi? Ah, je regardais ça. Ok, ouais, ils sont pendus. Hein. Effectivement, ils sont pendus. Donc, c'était le sort qui était réservé aux sorcières, j'imagine. Quoi? Non, j'ai vu une petite fille courir. Non, 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 pas de ça. Ouais, bon. Elle a un Z, mon pote. Attention. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fini ce procès. Des gens qui s'acoquinaient avec le diable. Ouais. Et la petite Marie a balancé tout le monde. Ça doit être la fille qu'on a vue. Ok. Donc ça, c'est Carver, c'était le... Le révérend. Moi, je vous dis, le révérend, il est chelou. Déjà, il fait débat. Il reste avec une petite fille après ses trucs et tout. Il y a un truc chelou, je vous le dis. Hein? Généralement, quand il y a un prêtre ou un révérend, il y a toujours un truc chelou. De toute façon, on va pas se mentir. Là, il y a quoi? Ok. Vas-y, mon pote. Ah ouais, mais ça me fait peur aussi, ça. Ok, ça, c'est le tribunal. Ils sont en train de là. Ok. Encore un. Attendez, là, j'ai peur.
Waouh, putain, mais je savais en plus qu'il allait avoir un chat ou un truc, là. Ah ouais, il me donne des frissons, ce bobours, là. Bon, allez, je me casse. On va aller voir derrière. On peut pas passer. Ok. Là, on voit rien sur les photos. J'ai pas envie de partir, je veux... On a tout vu, hein. Ouais, on a tout vu ici. C'est le procès auquel on a assisté au poste de police. Ça y ressemble, c'est quoi, ça, étrangement. Ah, je suis pas trop poupée, moi, je vous le dis. Hein. Apparu à une enfant dans les années... Oh putain, il m'a fait... Regardez ça! Je l'ai déjà vu. Où? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvé par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. Intéressant. Ce truc aurait vraiment plus de 300 ans? Tout ici a l'air d'être faux, bidon, et peut-être que ça aussi. Mieux vaut ne pas y toucher. Vous... Bon, on a fouillé partout. Rien, il n'y a plus rien qui brille. Bon, j'avoue, il a raison, même si c'est une fosse, on touche à rien, on ne regarde pas. Ok. Là, il n'y a rien. Il a vu... Ah si. Il regarde la fenêtre. Je vais l'attendre pour la porte. Vas-y, mon pote, on peut y aller. Non ? Tu veux revoir un autre truc ? Ouais, je te suis. Ça, on a regardé. Ça, on a regardé. Ok. Ça, on a regardé aussi. Le livre, on a regardé. Y a rien sur les chaises ? Non. Tout à l'heure, j'ai vu la petite fille courir là-bas, là. Ou son ombre. Peu importe. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Allez, on se casse, mon bibouille. Non, ça marche pas. Hey, on peut sortir par là. Mais où elle est passée, la petite fille? Elle nous amène là et elle s'évapore? C'était peut-être tout ce qu'elle voulait, nous mener à la poupée. C'est fait. J'en suis pas convaincu. C'était sûrement un piège, je pense. Presque. B-Boy et Daniel, et je suis Taylor. Ça capte pas de toute façon. J'adore sa voix, elle. T'entends ça? Il y a eu... comme un bruit, je sais pas trop. Hé hey, professeur? C'est vous là-dedans? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Ils sont où, les autres? Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent? Possible.
Angela, t'es là ? Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. T'en es sûr de ça ? Oui, je la connais depuis longtemps. Plus longtemps que vous tous. Elle en a vraiment bavé. Mais elle est pas si dure que ça. Ouais, admettons. Là, je vois rien. On est en train de danser, ça me fume. Je te parie 10 balles qu'il y a personne. Je touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée ? Comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure ? Voleur, c'est ton nouveau passe-temps ? Non. Mais je l'ai été dans une autre vie. Trouver un moyen de rejoindre les autres. Ok. Je pense pas qu'il y ait d'autres... Peut-être par la fenêtre. Attends, on va aller voir. Ah si, il y a une porte ici, attendez. Oh là ! Oh, j'ai eu peur ! Hey, Taylor, viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas dû être visité depuis un bail. Oh, ouais. Et tu me dois 10 balles. Je te dois que dalle, j'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant, mais on sait déjà ce que ça va donner. Ouais. Ben tiens. Oh, oh putain que... ouais. On se détend, Schwarzy, ne casse pas la gueule au mannequin. Très drôle. Viens plutôt me rejoindre. Il m'a donné des frissons, ce con, là. Suis-moi. Par là. Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. Oh, oh putain de sa mère! J'ai vu... la mort. J'ai vu quelque chose. Fais pas le con, Taylor, fais pas le con! Tu vas où comme ça? T'es sûr que c'est prudent ? Non. Ah ! Oh putain, m'a fait peur. Vous devez m'aider, par pitié. Dieu seul vous enlèvera ce fardeau. Joseph a déclaré à la cour que Marie était en possession d'un jouet diabolique, une poupée. Il m'apparaît clair que vous, Tabata, êtes celle qui a donné à l'enfant cette chose abjecte. Vous allez me suivre. Marie, dis-lui d'où vient cette poupée, que tu l'as fabriquée toi-même. Tu dois confondre, ma chère sœur. Cette poupée ne m'appartient pas. Comprenez-vous pourquoi je requiert votre aide ? Pitié ! Je sais pas, moi. On va prendre la poupée. Quelle est cette diablerie ? Sorcière ! Oh, merde. Votre maître ne peut plus rien pour vous. Rejetez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous
serai châtié pour l'ensorcellement de cet enfant. Je t'en prie, Marie, dis la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas une peccadille. C'est faux, femme. Oh putain, aïe. Mais bah, rentrez dedans. C'était quoi? Il y avait des voix. J'ai vu mon putain de double. Et elle m'a regardé. Fringuée chelou et elle parlait bizarrement. Je comprends pas. J'ai peur, Bibouille. Désolé de pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont traînée dehors comme une criminelle. C'était... Oh merde. Cassons-nous d'ici. Ouais, ok. Ok. C'est un beau couteau, ça, hein? J'ai trouvé un couteau. Hein? Tu crois qu'on devrait le prendre? Tiens, garde-le. Pourquoi? D'après toi, Andouille, pour se défendre. Garde-le. Tu sais, au cas où. Il y a personne qui veut garder le couteau. Oh putain. Ouais, on reste pas là, on se casse. Amy Lambert. Amy est accusée de sorcellerie par la jeune Marie Milton. C'est Marie qui fout la merde. Le révérend Carver a accepté ce témoignage comme preuve. Ouais. Il y a un truc. Entre Marie et le révérend, il y a quelque chose. J'espère que c'est pas ce que je pense, mais il y a un truc. Hey, regarde ça. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Les boules. Merde, non, j'ai compris. La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois? C'est trop bizarre. Trop bizarre? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question que je reste ici une minute de plus. Je suis bien d'accord. A changé par rapport à tout à l'heure. Ça, c'est des petits filous tubes, hein. On peut pas regarder la fenêtre cette fois-ci. Mais ben, on se casse. On a fouillé partout.
ça ne présage rien de bon. Ah, bonjour. Alors, commencez-vous à y voir plus clair ? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela. Inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Un autre instrument de mort s'ajoute à la collection du groupe. Beau travail. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. Moi je vais dire non cette fois-ci. C'est non ? Vous pensez arriver à percer le mystère sans aide. Les enjeux dépassent de loin la vie et la mort. Ne le prenez pas à la légère. Ah. Je vous laisse sur ces mots empreints de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé. Et chaque pêcheur, un avenir. C'est beau. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard. On dirait qu'on a de la chance. Voilà la route. Le prof et les autres doivent pas être loin. Espérons. On n'a vraiment pas eu de bol jusque-là. La nana qui me ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça ? C'est pas bon signe, c'est sûr. Mais il t'arrivera rien. Compte sur moi. J'ai peur, hein. Je vous le dis, entre vous et moi. Conditions mystérieuses, hein. En même temps, bon. Il y a un truc là-haut ? Non. Ok. Avis de saisie, propriété de la banque, entrée interdite. Hop, demi-tour et des bruits chelous. Allez hop. D'où est-ce qu'elle vient cette voix ? J'en sais rien. Quoi ? Oh non. Ça recommence.
La mort rôde. Et des bruits très bizarres. Hein. Ah ouais, mais non, mais je suis con, je peux pas, je vais revenir sans mes pas. Ah bah si, il arrive. Vas-y, viens, Bibou, tu vois, ici, on est bien. Alors. Ok. Là, il y a quoi? Hop, 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 j'ai entendu un bruit bizarre. Ah ouais, putain, mais ça me fait flipper, moi. Dans la maison. Ah, bah quand il est là. Est-ce qu'il y a... Attends, on peut pas passer ça, là? On peut pas l'enjamber ou... Non. Oh putain, oh merde. Mauvais souvenir, le corbeau. Petit. Putain, bah ouais, mais il m'a fait peur, là. Ok, non, non. Attends, je vais pas tomber dans le trou, hein. Ok. Ah, cette balançoire ressemble à celle qu'on avait quand j'étais petite. C'est pas possible. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, regarde. Hé, hey, pas de panique, tout va bien. Non, ça va pas, tu comprends pas. Tu vois ces étoiles? C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. J'avais quoi, genre 10 ans? T'es sûre? Sûre et certaine, c'est ma vieille balançoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Admettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est pour me faire passer un genre de message. Hé, hé, regarde-moi, allez. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Oh. Oh. Oh putain de sa mère! Oh, ouais. Ce n'est pas ma faute. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Plus un mot maintenant. Ah oui, elle parle anglais. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. C'est ton unique espoir de salut. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear. Tu ne me tromperas pas. Je vois le mal en toi. Mon devoir est de purger notre ville de ce mal. C'est le seul moyen. Tu seras pendu. Je prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite. Elle est morte. La femme qu'on vient de voir, c'était moi. C'est mon tour, là, ça y est. Il t'arrivera rien ce soir. Compte sur moi. Merci. Heureusement que t'es là. Faut continuer vers l'église. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, ouais, sans doute. Allez, on se casse. Claude, non? Non.
derrière l'arbre, il n'y a rien. On va jeter un œil de l'autre côté. Attends, pardon, excuse-moi. Ouais, voilà. Là, il y a une maison. Hé hey, oh, par putain, ici. Ça m'a fait peur. J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Hey, ah, tire-toi okay. Tout de suite d'ici. Dégage de là. Dégage. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez,